Je voulais être actrice pour qu'on me regarde, qu'on regarde mon corps et qu'on éprouve mes émotions. Odile, c'est tout le monde. Odile, ça peut être toutes les femmes, comme tous les enfants, tous les hommes. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est l'origine du vivant. C'est quelque chose, comme dit Odile, qui me touche plus qu'un lac ou qu'un océan. C'est une piscine municipale vide, de nageurs surtout. C'est comme une mère qui se repose après avoir tout donné. Et une piscine municipale pleine de nageurs, c'est comme une mère qui travaille dans l'abnégation totale. Sur le corps, Odile dit quelque chose, elle est observée par des maîtres nageurs qui la regardent du haut de leur chaise haute, du haut de leur mirador, et elle dit « Je voulais être actrice pour qu'on me regarde, qu'on regarde mon corps et qu'on éprouve mes émotions. Alors je laisse faire les maîtres qu'ils me regardent et qu'ils éprouvent le plaisir de mon corps glisser le long de la bordure et casser la ligne immaculée. » Et pour en revenir au corps, le corps vecteur de l'émotion, le corps qui est le pont entre les spectateurs et l'acteur.